Bonjour, toi. Oui, toi qui pensais avoir pris de bonnes résolutions pour l'année 2016 et qui les a déjà oubliées, ce nouveau numéro est fait pour toi. Aujourd'hui, dans ce numéro consacré aux sorties du mois de janvier, que dois-tu absolument voir dans les salles de cinéma? Legend. Et oui, car il n'y avait pas que le Tarantino qui était un événement ce mois-ci en salle, mais il y avait cette petite pépite anglaise qui a été décalée à de nombreuses reprises. Pour le coup, on a vraiment envie de dire que ça valait le temps d'attendre. Tant l'œuvre qui s'offre à nous est un pur moment de jouissance cinématographique, alternant brio de scénographie et extase d'écriture référencée. On s'attendait à un sacré film, mais à ce point, pas vraiment. Tant l'œuvre que nous offre Brian Helgeland est à la fois un hommage au cinéma de Martin Scorsese, mais parvient en même temps à s'émanciper totalement de celui-ci. Il nous offre un film à la mise en scène ambitieuse et juste, à l'écriture fine et intelligente, et au récit tout simplement parfait. En ancrant son récit dans un Londres ténébreux et cynique parfait, Helgeland permet ainsi à ses personnages d'avoir un meilleur impact sur le spectateur. Il donne ainsi une envergure dramatique forte à ses deux protagonistes, notamment en jouant avec la mise en scène, mais également en offrant une narration typique de ce genre, une scénographie juste comme il faut et un duo d'acteurs superbe en tête. Un double Tom Hardy divin et mégalomane à souhait, qui non seulement se permet la justesse d'esprit de varier les tons d'humour, mais en plus livre une interprétation tellement parfaite que l'on salue facilement la performance de l'acteur anglais. Le récit a de la gueule, l'envergure dramatique de ces deux personnages voués à succomber à leur délire de gangster, tout est là pour donner lieu à un modèle de genre, un film de malfrat pur dans la veine d'un De Palma ou d'un Hawks. Helgeland offre ici un moment de cinéma jubilatoire, une œuvre d'extase cinéphilique pure que les aficionados adoreront et que les néophytes salueront pour le geste. Vous l'aurez compris, foncez voir Legend. C'est un film jubilatoire, drôle, violent à souhait et décalé comme on les aime, bref, un pur trip de cinéma livré par un grand auteur de genre qui parvient à la fois à rendre hommage à ses pairs et à créer un univers fun pour toi, cher spectateur.